Bonjour et bienvenue. Envie de comprendre comment fonctionne un adoucisseur d'eau? Je vous explique tout dans cette vidéo. Dans les précédentes vidéos, on a vu tous les bienfaits d'une eau adoucie sur votre corps, votre linge, vos appareils électroménagers et même sur vos factures d'énergie. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite à aller les consulter. Mais maintenant que vous êtes convaincus, je vous explique comment ça fonctionne concrètement. C'est parti! Alors, un adoucisseur se compose de deux éléments principaux. Le bac de résine et le bac à sel. Un adoucisseur d'eau fonctionne sur le principe de la captation des ions calcium et des ions magnésium responsables du calcaire. Et pour s'en débarrasser, l'eau qui passe dans le bac de résine est nettoyée des ions calcium et magnésium qui sont remplacés par des ions sodium. Ainsi, l'eau que vous allez consommer est parfaitement potable et reste riche en minéraux et oligo-éléments bons pour la santé et la vitalité. Un adoucisseur fonctionne sur deux modes, service et régénération. Pendant la phase service, l'adoucisseur produit de l'eau adoucie. Ensuite, dès que les résines de l'adoucisseur sont saturées de calcaire, l'adoucisseur passe en phase régénération, qui consiste à aspirer la saumure présente dans le bac à sel. Le mélange d'eau salée passe alors à travers le lit de résine pour permettre son lavage et rinçage. Cette phase peut prendre de 1 à 2 heures en fonction du modèle de l'adoucisseur. Pas besoin de vous embêter à programmer votre adoucisseur, tout est paramétré par votre technicien qui se charge de tout. D'ailleurs, chaque année, il vient s'assurer du bon fonctionnement de votre appareil. Si vous voulez en savoir plus sur les différents types d'adoucisseurs, rien de plus simple. Vous pouvez cliquer sur les liens dans la description et découvrir les différents produits de la gamme. En attendant, je vous dis à bientôt !